Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour du nouveau contenu. Ça sera la partie 5, me semble-t-il, de propositions d'oracle divinatoire. Donc si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, je t'explique en quelques mots. J'ai eu envie de proposer donc des courtes vidéos pour te montrer, te proposer différents oracles dont tu peux te servir pour faire de la divination, c'est-à-dire pour faire de la guidance ou de la voyance, faire des grands tirages, pour répondre à tout type de questions dans tous les domaines. Comme j'en ai plusieurs à la maison, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les montrer pour que vous puissiez peut-être avoir un petit coup de cœur, faire votre choix et vous décider si pour le moment vous êtes en train de vous poser la question suivante, quel oracle est-ce que je peux utiliser pour faire ce type de tirage ? Alors, ce sont des petites vidéos qui sont courtes, exprès pour que ce soit rapide pour toi à regarder. Comme je le disais juste avant, là, je crois que je suis à la vidéo numéro 5. Donc, n'hésite pas à aller sur ma chaîne farfouiller tranquillement pour découvrir les autres, numéro 1, numéro 2, 3 et 4. Je pense que tu vas y trouver ton bonheur sans aucun doute. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, si jamais ce contenu, ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo pour recevoir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Bienvenue dans mon univers, moi c'est Lily Oracle, je suis une grande passionnée de jeux de cartes, tu l'auras compris, Tarot, Le Normand, etc. etc. Béline, Oracle et compagnie. J'ai à cœur en fait de partager ma passion et de vous la transmettre, en tout cas je l'espère que ça vous donne envie en regardant ces vidéos. Le but pour moi c'est vraiment d'être dans l'échange et dans le partage, dans la connaissance et dans l'éveil tout simplement. Donc là c'est une vidéo de proposition d'oracle dont tu peux te servir pour de la divination. Il y a aussi des guidances hebdomadaires, des propositions de tirage de cartes, etc. etc. Bref, je te laisse aller regarder tout ça tranquillement, comme un grand ou comme une grande, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Dans le descriptif, tu as tous les renseignements dont tu pourrais éventuellement avoir besoin pour en savoir plus sur qui je suis, ce que je fais. Parce que je ne fais pas que ça, je suis thérapeute et je propose de l'accompagnement individuel pour sur ton chemin à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour X, Y ou Z raison, et tu peux faire appel à moi et ensemble avec tous mes merveilleux outils dans ma boîte de magicienne, et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour que tu progresses et pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Voilà, quoi te dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit que c'était une vidéo courte, donc on va y aller, on plonge dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer des Le Normand pour changer un petit peu. Donc j'ai sorti de mon Oraclothèque 3 Le Normand que voici, que voilà en face de moi. Donc nous allons commencer par le premier, il s'agit de celui-ci, le Dreaming Well Normand. Alors je le précise, il ne s'agit pas de vidéo de présentation complète, hein. Ça je le fais, tu vas pareil sur ma chaîne et tu verras, je fais des vidéos très complètes de présentation d'oracle, pareil, Le Normand, etc. Je bug. Ici, je vais te montrer tout ça très rapidement, en un clin d'œil, c'est juste pour que, voilà, tu puisses en un coup d'œil comme ça, voir si oui ou non ça t'appelle ou pas, tout simplement, si ça vibre pour toi ou pas. Donc celui-ci, je l'adore, c'est un des premiers que j'ai acheté, le Dreaming Well Le Normand, qui est vraiment magnifique. Le travail artistique est de Quan Shina, et les écritures de Lynn Arojo, ou Arojo, je ne sais pas, je pense que je n'ai pas trop mal prononcé. Donc le Normand, je ne sais pas si tu connais ce type de jeu de cartes ou pas, moi j'aime bien, enfin c'est ma manière de voir la chose, et du coup je le partage avec toi, tu n'es absolument pas obligé d'être d'accord avec moi, je trouve que le Normand est un bon compromis entre l'oracle et le tarot, sachant que pour moi l'oracle est l'outil le plus facile à utiliser, selon moi, hein, selon l'évangile de Saint-Lily, le tarot le plus compliqué, parce que ça demande un réel apprentissage qui va durer toute une vie. Et le Normand, c'est entre les deux. C'est un petit peu plus complexe que l'oracle, mais un peu moins que le tarot. Donc voilà, pour les personnes que ça peut intéresser, ce genre d'utilisation et de pratique, eh bien, je recommande vivement. Donc, le Dreaming Way. Allez, je laisse la houppe.
ça va tenir. Voilà. La boîte ici. Donc, ce que j'aime aussi avec le Lenormand, c'est le format. C'est toujours un tout petit format pocket, comme ça, qui est très facile à emporter partout. Il y a 36 cartes au total. Et avec les 36 cartes, crois-moi que tu peux faire vraiment des super, super tirages. Hein. Tu pourrais très bien avoir un seul jeu chez toi, un seul Lenormand, ton Lenormand coup de cœur. Et ça suffirait amplement pour faire tous tes tirages de cartes, sans aucun doute, sans aucun problème. Donc là, un petit livret qui est en noir et blanc, pareil, format pocket, donc c'est super, avec chacune des cartes, donc celui-ci c'est une version anglaise, hein. Chacune des cartes, tu as la signification, tu as quelques mots-clés, et ensuite on te raconte un petit peu l'histoire de l'illustration de la carte, qu'est-ce qui est dessiné sur la carte. Comme toujours, tu as un petit mot de l'auteur, on te propose différents tirages de cartes, il est très bien fait, très facile à utiliser, donc ça c'est très très pratique. Et ensuite, allez, maintenant je te montre les cartes, le dos des cartes est comme ceci, donc j'aime beaucoup cet univers, en fait, ces illustrations. Après, comme toujours, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Moi, personnellement, j'aime, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Mais voilà, à toi de voir si ça te... si ça vibre pour toi ou pas. Ensuite, la tranche est neutre et on est parti pour regarder les cartes les unes après les autres. Donc ici, tu as hop, le cavalier, le trèfle. Donc je vais les faire défiler, le vaisseau, la maison. Donc oui, je l'ai dit, il est en anglais, d'accord. Donc je fais défiler les cartes les unes après les autres, comme ça, assez rapidement. C'est vraiment pour que tu aies un petit aperçu de ce que ça donne. J'adore la carte de l'ours. Les étoiles, cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le choix, les chemins, la souris. Regarde, la bague, elle est belle comme tout. Tu as vu? Regarde, attends, je vais te montrer un petit peu plus près. C'est trop chou, je ne sais pas ce que tu en penses. Hop, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires retour, hein, pour savoir ce que vous avez pensé de tout ça. S'il y en a un que tu as déjà chez toi, eh bien c'est pareil, tu peux venir me le dire. Si tu as des petits tirages à proposer ou des questions à poser ou n'importe quoi d'autre, tu n'hésites pas, tu mets ça en commentaire. Et puis, bah, j'aurai un grand plaisir à aller lire tout ça. Donc, voilà pour le premier, le Dreaming Way, le Normand, que je vais mettre donc ici. On va poursuivre avec le numéro 2, qui est vraiment très, très beau aussi. Là, on change complètement d'univers. On va dans quelque chose de plus poudré, quelque chose d'un petit peu plus précieux, de plus raffiné, de plus délicat. Alors, c'est très raffiné aussi. Attention, hein, je ne suis pas en train de juger. Hein, j'explique juste ma manière de voir l'univers de celui-ci que je m'apprête à vous montrer tout simplement. Alors, il s'agit de mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu. J'adore son travail, j'adore ses créations. J'ai un grand nombre de ses oracles à la maison. Je recommande vivement d'aller découvrir son univers si tu ne la connais pas encore. Tu peux la trouver sur Instagram, sur YouTube, sans aucun problème. Une plongée enchantée au cœur du célèbre Lenormand. Et voici ce que Émilie nous propose. Là, pareil, je vais mettre la boîte comme ceci. Voilà. Donc là, ce que j'aime bien et ce qu'elle fait dans tous ces jeux, c'est que en remplacement du livret, en fait, il y a quelques cartes en plus où tu as eh bien, là, pareil, une partie introduction, présentation du jeu, introduction. Pourquoi mon téléphone, il fait n'importe quoi? La mise au point est catastrophique. Ok, un tirage à 3 cartes, grand tableau, donc c'est pareil. Là, c'est vraiment super, tu as tout ça, le grand tableau, c'est vraiment chouette. Hein. Regarde comment elle te propose ça. Donc moi, j'adore. Oui, le grand tableau, c'est quand tu utilises toutes les cartes du Lenormand pour faire un tirage. C'est très complet, hein, ça prend pas mal de temps pour l'interprétation, mais c'est vraiment très intéressant. Et là, donc, tu as répertorié toutes les cartes avec les mots-clés. Donc, je trouve ça vraiment génial d'avoir ça, tu vois, juste à côté de toi quand tu fais un tirage, plutôt que d'aller prendre le guide et de chercher, d'aller farfouiller dedans. Tu les poses à côté de ton tirage et puis quand tu as besoin, tu jettes un œil rapide dessus pour voir si au niveau de ton interprétation, tu étais plutôt dans le juste ou pas. Voilà, voilà. Le dos. Il est comme ceci, voilà, je ne sais pas si tu vois les dorures, je vais essayer, si, ouais, on voit que c'est doré ici, là, c'est magnifique aussi, voilà. La tranche est neutre, et maintenant, on va découvrir ensemble les différentes cartes. Donc ici, ouais,
Ici aussi, dans le précédent, tu vois, tu as le nom de la carte et la représentation dans les cartes, comment, en cartomancie avec le 6 de trèfle. Là, c'est pareil. Tu l'as ici en haut. Moi, je ne m'en sers jamais, mais pourquoi pas. Moi, je me sers plus du chiffre, a priori, en numérologie, éventuellement. Ici, donc, le cavalier. Allez, là, on est parti aussi. Le trèfle, le vaisseau, la maison. Regarde-moi cet arbre comme il est beau. C'est pareil. Regarde. Qui nous parle de nos racines, de nos ancêtres, du transgénérationnel, de la force, de la santé, du chakra racine, pourquoi pas, etc. La vitalité, la durabilité des choses. Ok. Des personnes âgées dans notre famille aussi, avec l'arbre, pourquoi pas. Les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, c'est très très beau avec ces tons pastels-là. La faux, le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin. Donc je te laisse regarder tranquillement. Pouf! Alors, ces jeux-là que je suis en train de te montrer, je ne m'en rappelle plus si j'ai fait des vidéos de présentation complète ou pas. Donc là, s'il y en a un qui te plaît, pardon, plus particulièrement, n'hésite pas encore une fois à aller sur ma chaîne. C'est très facile à trouver, hein. Je mets des sortes de codes couleurs ou de codes images, d'image code. Comme ça, tu peux retrouver très facilement les vidéos, hein. Donc n'hésite pas à aller voir si j'ai fait la présentation complète de l'un ou l'autre de ces Lenormand que je suis en train de te montrer. Donc voilà pour celui-ci d'Émilie de Dieu. Je vais le mettre là de côté. Et on va poursuivre et terminer avec le numéro 3 qui est vraiment très très joli aussi. Là c'est pareil, on plonge dans un univers encore différent. Et c'est ça que j'adore dans les cartes. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de faire son choix parce qu'il y a tellement tellement de belles illustrations. Donc il s'agit du Gulliver le Normand. Il est en noir et blanc aux éditions Arcana Sacra. J'aime beaucoup. Et tu vas voir comment il est à l'intérieur. Donc là, dans les autres, il n'y avait rien dans la boîte. Ici, tu as une lune. C'est vraiment très très joli. Pareil, je vais le mettre ici. Le petit cordon, j'aime bien le petit souci du détail comme ça. Et au fond de la boîte, c'est pareil, un joli dessin de soleil, la lune et le soleil. Ok. Ici, un petit livret, à nouveau, Gulliver le Normand. Le livret est en couleur, hein, même si le jeu est en noir et blanc, mais tu vois, le livret est en couleur. Donc, chacune des cartes qui est reprise, pareil, avec des mots-clés. Une sorte de petit poème, en fait, pour la symbolique de chacune des cartes. Donc, ça, j'aime bien. Allez, je vais lire celui-ci, par exemple, avec les étoiles. Les yeux au firmament, tu vois briller ces minces étincelles. Leur simple présence au-dessus de tes attentes suffit à protéger la moindre parcelle de tout ce ciel. Elle guide tes pas dans la nuit du doute clairvoyante. Donc, j'adore parce que ça laisse libre cours à notre inspiration et à notre imagination quand on lit ces petits poèmes. C'est vraiment magnifique, tu vois. Il est vraiment très, très bien fait. J'aime beaucoup celui-là. Donc, voici l'auteur. Très jolie demoiselle, le sommaire avec donc une note de l'auteur, tirage de proposition de tirage de cartes, etc. etc. Voilà. Allez, là, comment est-il au dos? Le dos est comme ceci, blanc avec cet œil qui te regarde. Je crois que c'est la seule touche de. Ah, si, il y a de la couleur sur les chiffres aussi de l'autre côté. Donc, la petite touche de couleur au centre de l'œil, la tranche est blanche. Là, le format est différent. Hein, regarde. Là, ce sont les deux premiers que je t'ai montrés. Le format des cartes est similaire. Donc là, on est dans un format Lenormand. Et ici, avec le dernier, tu vois, on est sur quelque chose d'un petit peu plus long, de moins large et de plus long. On n'est pas dans un format tarot. C'est plus petit que le format tarot. Mais voilà. Et je trouve ça sympa aussi. Ça change un petit peu. Et là, pareil. Allez, la qualité des cartes est très bonne pour les trois jeux. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des cartes très épaisses et qui glissent très très bien. C'est super. Donc là, allez, on est parti. Le cavalier, le trèfle, c'est pareil. Alors là, tu vois qu'il n'y a pas le nom de la carte. Alors, ça peut être dérangeant ou pas. Ça, c'est vraiment libre à chacun. C'est vraiment les goûts de chacun. D'accord? Je me dis que si tu débutes dans l'univers du Lenormand, c'est peut-être quand même plus facile pour toi d'avoir le nom des cartes
sur la carte. Mais voilà, après, il y a des personnes qui sont hyper intuitives et qui retiennent très très rapidement les informations, auquel cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, c'était quand même important, selon moi, de préciser ce petit détail qui a, somme toute, son importance. Les souris, le cœur, c'est trop joli, regarde. J'adore. L'anneau, le livre, la lettre, l'homme et la femme. Regarde comme ils sont beaux avec leur marinière, là. Voilà, le lys. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la boîte, au fond et dans le couvercle. La clé, les poissons. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ces illustrations, mais je les trouve vraiment sublimes. Et la croix, l'encre et la croix. Voilà, pour le troisième, le Gulliver, le Normand. Bon, eh bien, on arrive au bout de cette vidéo. 15 minutes, c'est parfait. Nickel, nickel. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que ça t'a plu ou pas? N'hésite pas à mettre un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Eh bien, écoute, bon achat à toi si jamais tu as craqué pour l'un ou pour l'autre. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite une très belle journée. Puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle proposition d'oracle divinatoire. Salut!